Bonjour et bienvenue, on est reparti. On est reparti pour un peu plus d'aventure. Donc la dernière fois on avait fait quoi la dernière fois? Je me rappelle plus exactement. A tué des trucs. On avait tué des trucs. En gros. J'ai appris quelque chose récemment. Alors. J'ai appris ça. Voilà. J'ai appris qu'il y avait la roue des émotes. Alors, honnêtement, je trouve qu'elle est extrêmement mal faite. Parce que... Alors, peut-être que je suis le... Peut-être que je suis dans une minorité, hein, mais... Du coup, il faut faire le clic gauche, en fait, pour sélectionner les émotes. Donc, en gros, pour afficher cette roue, il faut... maintenir le clic de la molette. Et moi, le clic de la molette, je le fais avec l'index. Donc du coup, c'est problématique pour ça. Donc je trouve ça un peu étrange en fait, que ça soit le clic de la molette, et il faut le maintenir en plus. Et après, il faut sélectionner, il faut faire clic gauche. Enfin Bonjour. bref. Bonjour. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais je l'ai trouvé. Je crois que ça, on peut faire high five avec une autre personne. Enfin bref, c'est un peu étrange d'avoir mis ça là-dedans. Surtout qu'il y a zéro option pour le changer. Il y a zéro option même qui en parle. Il n'y a pas écrit genre roue d'émote ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est encore une fois le tout ce qui touche en fait aux options, je trouve que c'est très très... Enfin, c'est pas mal fait, mais c'est très très minimal. Il y a plein de choses qu'on peut pas changer. Qu'on devrait. Enfin bref. Voilà. C'est tout ce que je voulais partager par rapport à ça. Alors, on avait fait... Alors, les cheminées... Ah oui, avec le cristal, c'est ça qu'on avait fait la dernière fois. Le nid sans nom, donc c'est la grosse créature, on l'a fait. Ça, c'est le l'oiseau. Le temple perdu. On s'était arrêté au temple perdu. Je crois qu'il y a encore quelque chose là. On va se remettre au nid. Je crois qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas fait dans la première forêt. Mais ouais, je trouve ça un peu étrange de devoir maintenir en fait avec le clic de la molette. Ok. Bon, on a... Ça a l'air d'être connecté, mais ouais, on a un passage juste là. Bon, c'est cool, let's go. Attends, par là? Ouais. Par là, par là. Il est toujours là, l'oiseau, ou pas? Donc, on est parti. On est toujours invocateur. Pour le moment. Ah, par contre, un truc que je voulais voir, c'est est-ce qu'on garde les traits une fois qu'on est au niveau max? Non, hein. Non, ça c'est médecin. Oh, non. Quoique, est-ce qu'on peut mettre. Ça c'est challenger. Il y a de la charge équipée. Genre, est-ce qu'on peut mettre des points là-dedans? Je crois pas, non? C'est Bon, la. au boulot. C'est le trait de la classe. Je vois, parce que j'avais lu un truc et des fois... Les gens ils disent un peu tout et n'importe quoi. Mon Dieu. Est-ce qu'on a déjà vu ça ou pas? Ah merde. Je crois qu'on a déjà vu. En fait. Ah
Ah, on a un gros. Bien joué. Bon bah au final je crois qu'on a, on a déjà tout vu là. Qu'est-ce qu'on a. Ouais on peut partir. Je vais juste faire un tour là-bas puis après on se casse. On va dans la deuxième zone. Je m'amuse avec les émotes. Oh. C'est moi ou j'ai vu 1000 d'un tir d'une des créatures. Parce que j'ai l'impression qu'en fait elles font plus mal que les autres au final. C'est juste qu'elles sont un peu moins résistantes quoi. Ah, attends. Ah, il est parti l'oiseau. C'est le moment d'y aller. Ouais, des fois il part en fait. Il crie et il part. Oh putain. On y arrive. Et on a le charme. On peut les casser les œufs. Peut-être pas être content. Aïe aïe aïe. Donc ouais, ça nous fait un peu d'argent. Allons à la deuxième forêt. Quand je lance le jeu, il tourne tellement bien à chaque fois. J'aimerais bien qu'il reste comme ça. D'accord. J'étais en train d'essayer de voir quelque chose. Bref, on y va. Alors, on s'était arrêté là. On avait vu que... Bah tiens, il y a une porte juste ici. On avait vu qu'il y avait des symboles, je crois, ou des puzzles, je me rappelle plus exactement. Ça c'est quoi? C'est un raccourci ou c'est... Ok, on est du mauvais côté, ça marche. Ah, tenez, en parlant de porte là, comme ça qui est verrouillée, apparemment, j'ai vu des vidéos où si vous faites top là... En gros, vous allez avoir une action. Enfin, bien sûr, il faut être à plusieurs. Hein. Vous allez avoir une action, en fait, pour taper la main, du coup. Et des fois, ça vous fait passer à travers la porte. J'ai vu des gens qui faisaient ça. Enfin, y a plein de trucs à chaque fois. J'ai jamais vu ça. Il y a le flûtiste. Mais j'ai jamais vu ça. Comment on y va, du coup? Intéressant. Mmh. Ça a l'air important. Attends. Je crois que je l'avais pris en photo, ça. Je l'avais pris en photo. Putain, mais comment ça marche? Comment ça fonctionne?
On va voir, mais j'ai la photo, c'est un livre. Attends, c'est un livre qu'on avait lu là ou c'est un livre qu'on avait lu autre part? Il y a un passage en haut. Il y a un passage en haut. Il y a un passage. Il y a des passages partout. J'ai jamais fait cette formation par contre. C'est ça? C'est ça du coup, je... Bon, ça veut pas dire grand chose. On va voir un peu. C'est pour faire de la musique, je vais voir ce que ça fait. Ouais, ça va jouer en fait. Alors, faut voir. Ça a l'air important. Donc là, on a ça, mais il n'y a pas de point. Lower peg. Ah, ok. Je comprends pas du tout comment c'est censé. Ça a zéro sens. J'arrive même pas à comprendre ce que ça fait exactement. Ok, ça met des ça là derrière. Ça doit forcément servir à quelque chose. Pas la mécanique en fait. Ah, donc faut choisir l'un ou l'autre. Après, il y a celui-là. Genre, la première ligne, c'est celui-là, c'est ce symbole-là. Et ce symbole-là. Mais bon, ça me dit pas... Ça me dit pas grand-chose, quoi. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. C'est très étrange. Je sais pas. Très très étrange leur système là. Des fois j'ai l'impression que c'est un peu trop abstrait en fait. Enfin, bref, c'est pas grave. On va un peu avancer, on fera ça après. Pour l'instant, je vois pas. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Venez, ami Paxultek, je suis là. Ami Paxultek. Oh. Et là, mais... Je... Ah, le grand loup, le ravageur. Ah, un jour, la bête. Oh oui, le voix. Hélas, aucune chanson n'est chantée. Je cherche l'espoir, ami Paxultek. Yaesha est brisée. La corruption grandit et l'arbre périclite. L'équilibre gémit et se tord de douleur. Malgré ça, la chanson des Haphir remplit l'air. Je suis... Hélas... Il y aurait tant à dire. Mais je ne sais pas ce qu'il... Que cela revienne bien... Je vais retourner juste au livre. On va peut-être lire une petite partie, parce que c'est vrai que j'ai pas lu... Évidemment, on va passer. J'ai pas lu le livre.
Ah, on est en mode mode puzzle, hein. On est en mode puzzle pour le moment. Alors, confirme de ne pas jamais la moitié, je me dis que je ne pas me faire perdre raison. Se disant de maestro, il ne s'exprime que par énigme, les oreilles sur vous, l'autre sur la chanson. Je sais que je devais faire preuve de patience, je sais que la boîte à musique que nous construisons, un bâtiment rempli de musique pour le bien commun de la bête, ce ravageur, comme l'appellent les ouvriers. Ça nous dit comment ça fonctionne. Ils me disent que nous ferions l'histoire, mais j'en ai qu'une. Nous venions de souper, que la plupart d'entre eux n'étaient pas maestro. La culture a fondu sur notre cave. Non, je vois pas. Alors après, est-ce que c'est... Parce qu'il y a deux lignes. Il y a deux symboles sur la première ligne, il y a trois symboles sur la deuxième ligne. Est-ce qu'il faut les mettre les uns après les autres? De gauche à droite. Genre... Ça a l'air important, ça. Comme ça, puis après, ce serait celui-là. En troisième, ce serait... Attends, celui-là. Après, ça serait ça, encore. Et après, ça serait celui-là. Ouais, mais après, il y en a encore plein, en fait. Ah non, mais attends, le premier, j'ai faux. Le premier, c'est ça. Le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, c'est le centre. Le quatrième, c'est ça. Et après, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est l'ordre des symboles. Mais bon. Ça doit forcément servir à quelque deux, chose. Trois. Après, il y a encore trois. Trois trucs. Enfin, trois lignes. Ouais, je sais pas. Allez, on se casse. Je réfléchirai plus tard. Ah, ça m'énerve ces puzzles qui sont super abstraits que je comprends pas. Enfin, c'est comme ça. Ok, là y a rien à faire. C'est super étrange. C'est bien parce que le mode aventure en fait il est quand même vachement différent du mode histoire. Ouais, trop bien. On leur fait méga mal hein, au machin. Au final, hein, on est en cauchemar, mais on défonce tout. Hein. Ah, cette énigme, elle va me trotter dans la tête hein, tout le long. Hein. J'arrête pas d'y penser. Il m'énerve. Hein.
Ah oui, c'est marqué. Très bien, allez. Ah, faut remonter. Ah merde. Attends, sans déconner, il y a qu'un seul endroit, bosque interdit. On va tracer un peu. S'il faut absolument que j'élucide le mystère, eh ben, on va faire une petite pause. Hein. Ah putain, j'ai essayé de me cacher. Bon, de toute façon, j'étais en train de faire le tour, donc bon, dans un sens, c'est pas très grave. On va repasser par... genre le haut, là. Comment on va où? Par là. Ah merde. Ah, c'est la porte. Ici, il y a quoi? Après, peut-être faut trouver un deuxième livre pour une suite. Je me demande s'il y avait, on était puni par de mourir dans le premier jeu. On a quelque chose. Cette partie. Oh, c'est une grotte. C'est une grotte. Bosquet infidèle, je connais pas. Je ne connais point. Que des boules. Là, c'est beaucoup de boules. Ouais, les boules, enfin, c'est un peu ouais, c'est pas très chiant pour moi parce que j'ai le truc électrique. Ouais. Bon ben, au boulot. Ça fait mal quoi.
C'est... On voit même pas le ciel à cause des arbres. C'est marrant, ça. C'est bien fait. C'est joli. Ah. C'est quoi, ça? Mehydra. Je crois que je l'ai déjà vu. Je crois que c'est une femme. Quoi ça devant là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Okay. Deux à côte, côte à côte! Oh merde! Ah, j'ai pingé sans faire exprès. Ça va. C'est marrant de côte à côte comme ça, la première fois que je vois ça. Mais bon, c'est normal. C'est un peu relou les boules, il y en a beaucoup au centimètre carré là tout le temps. Ah, violet. C'est en hauteur par contre. C'est quoi ça? Non, c'est une biche. Bien joué! On va bifurquer sur la droite. Ça va, c'est marrant. Oh putain. Anneau de protecteur. Ajoute un cumul de rempart lorsque vous vous trouvez à moins de 7 mètres d'un ennemi. Le nombre de cumuls passe à 2 pendant 10 secondes après avoir subi des dégâts au corps à corps. C'est sympa, mais c'est pas assez. C'est nettement pas assez. Je pense que celui-là est nettement mieux. Parce que là, on peut monter à 5 de rempart. Après, dans un sens, on peut le cumuler. Ça, c'est autre chose encore. On peut limite cumuler. Du coup, l'un donne 5, l'autre donne 2. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais c'est un endroit de transit, en fait. Le bosquet infidèle.
On va voir. On va se reposer parce que j'ai pas toutes mes reliques. Ça fait quoi déjà mes trucs vieux là? Ah, cette puissance. Okay. Le repos de Kaula. Ah, je l'ai déjà fait, c'est avec un truc avec des tentacules. C'est honnêtement pas très compliqué. Le problème, c'est l'eau profonde, en fait. Alors, je sais pas si on peut la tuer différemment. Mais c'était pas très compliqué. J'ai toujours... Ah ça c'est pas mal avec eux. J'avoue que oui ça va être mieux que les boules je pense. Les tirs là. Une clé ou pas? Ouais, une clé. C'est chiant quand ils font ça. Ils tapent dans le vent, comme un idiot. Temple, c'est ce qu'il nous faut, je crois. J'avais fait un temple, il fallait faire de la... Alors, il y avait une partie solo, qu'on pouvait faire solo, et puis après, il y avait une autre partie, il fallait coop. Il fallait lire un livre et tout pour trouver la solution. Ah, c'était la galère. Parfait. L'idole de la vengeance. On peut voir un peu.
augmente tous les dégâts infligés de 30% lorsque votre santé est inférieure à 50%. Ah ben voilà. Voilà un truc sympa. Bon, c'est, je pense qu'il y a mieux... genre récupérer plus de mods, récupérer des trucs comme ça. Mais pour des dégâts, genre augmente tous les dégâts infligés 30%. C'est nickel, donc ça marche pour distance, corps à corps, mode, j'imagine. Hein. Et vous mettez l'anneau là qui vous met votre vie à 50%. Du coup, on peut le tester. Genre là, il n'y a rien qui augmente. Si je fais ça, c'était quel anneau qui faisait ça? Il faut le trouver, mais c'est ça. Alors là, attends, où sont mes dégâts? Dégâts réduits. Là, dégâts 20%. Ok, 20%. Hop, 50%. Waouh, ça bug. What the fuck. What the fuck. Donc du coup, ça marche ou pas? Ouais, dégâts 50%, dégâts critiques 50%, puissance au corps à corps 50%. Ah, peut-être... Non, puissance de mode, ça c'est autre chose. Dégâts des modes, dégâts des talents, ça c'est pas augmenté. Bon, peut-être ça marche pas pour ça. Ouais, dégâts. Ouais, dégâts, ça doit englober en fait tout. Ah bah vous pouvez faire un truc comme ça. Et vous pouvez rendre vos collègues complètement cinglés quand vous faites de la coop. Oh mon dieu. Ah putain. Quelle merde. J'ai matraqué l'habilité mais elle est pas sortie, c'est pas grave. Ouais, je disais, vous pouvez rendre vos collègues complètement cinglés quand ils vont voir le... Les buffs genre changer là toutes les secondes. Ah putain, faut tout courir. Je vais me faire un build rapidité. Genre 100% de déplacement. Un truc comme ça. Ça parce que je tapais dans le vent, le truc il arrêtait pas de se reculer. Je vais arrêter d'essayer de taper. Tu vois. Ouais, on peut aller là. Ah, c'est un raccourci ça. Ah, c'est de l'autre côté. Ça marche. On avance. J'ai dit que j'arrêtais d'essayer de le taper. Ah ouais, quand même. Quand même.
Ah, peut-être qu'on devrait mettre les boules ici. Parce que ça leur fonce dessus, c'est peut-être plus efficace. On va voir. Par contre, moi j'ai eu quoi? Augmente la vitesse d'utilisation des reliques de 20% pendant l'utilisation de reliques. Vous gagnez plus, moins 1 de puissance de ces stabilisations. Ouais, je disais que c'était bien le tir, mais c'est vrai que quand, quand les machins ils flottent sans trop bouger, ils se font désinguer. Oui, il vient. Regardez en plein haut en plus. J'arrive pas à viser, c'est ouf. Une seconde. Ok. Oh, on va y arriver hein, au boss, hein. C'est juste que ça prend un peu de temps. C'est grand ici. Des boules qui leur foncent dans la gueule, je crois que c'est quand même mieux. Je crois qu'on est à la dernière partie là. Eh vas-y Bouboule. Langolier, vas-y. Mon dieu, non. Pas la même erreur.
Oh la vache. Ah, c'est dangereux hein, d'invoquer. Je sais pas pourquoi, j'ai encore un peu le réflexe de vouloir les taper, mes créatures. Alors je sais que ça marche pas. Ah tiens, on va ouvrir la porte directement. Avant qu'il nous arrive malheur. Ok. Et la récompense, elle est là. Je la joue un tout petit peu plus méthodique parce que ils sont quand même un peu vénères. Mais merde. Plus de balles, ok. Très bien. Ah, c'est pas très simple, hein, avec des cross créatures, des machins qui oh, vous tirent de loin. Joli. Alors là, c'est... je sais plus ce que c'est. C'est un anneau, quoi, et puis après, voilà. On a que 5 reliques. Ça va être chaud. Bon, au moins, on a trigger le boss, mais bon. Mais j'ai vraiment zéro mun. What? Ouais, ok, j'ai peut-être pas eu le temps de régène, autant de vie, j'imagine. Ouais, c'est un peu pourri, honnêtement. Ah, honnêtement, vivement qu'on change de classe. J'en ai un peu marre.
J'en ai un peu marre d'invocateur et tout ça là. C'est pas super fun. Oh mon dieu, les dégâts quoi. Ah, c'est cette attaque qui fait méga mal. Oh merde. Ah, j'aurais dû esquiver, je me suis dit tiens, je vais pas esquiver, mais en fait non, c'était très con. C'était très très con de pas esquiver. Voilà, j'avais fait ce combat en coop et j'étais en challenger, donc plus résistant. Donc là, là je prends un peu cher. Est-ce qu'on fait les... ceux qui volent. Peut-être plus pratique, je sais pas, Genre peut-être qu'ils peuvent cracher leur truc à foison et ça fait beaucoup plus mal. Ils crèvent moins vite aussi. On va y arriver, hein, c'est juste que... voilà. Faut pas se faire... touché par la grosse attaque là quand il apparaît. C'est parti. Genre là. Ouais, ça. Il était sérieux, il m'a directement one shot. Ah. Incroyable. Il m'a directement one shot avec sa tentacule. Je pense pas que ça va changer grand chose. Mon changement d'équipement, mais bon. Ok, là ça va être l'attaque. Putain, j'ai du mal à la prévoir. Ah mais j'étais pas en train de tirer. Oh la vache. Mon dieu, c'est quoi ça? Jamais vu. Ah, non mais là c'est la mort. Oh, putain.
Honnêtement, le boss est pas dur, le terrain le rend extrêmement chiant. Oh, ça va me gaver de passer 20 minutes sur ça, quoi. Allez. Ah oh putain, nique-toi quoi. Comment je fais pour je peux mettre ça. Mais bon, il me one shot quand je suis full vie en fait. Je sais même pas si j'ai rempart quand il me one shot. Est-ce que j'ai rempart quand il me one shot? Ah, c'est ça. Ça c'est l'attaque, je suis bien. Échappé belle. Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose de spécial à faire. Je pense pas. Hein. Maintenant que j'y pense, je crois pas qu'il y ait ce système là de tuer les boss différemment. Dans celui-là de jeu. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Bon, ben voilà.
Ah, c'était un peu compliqué. Il fait très mal, en fait. Le problème, c'est qu'il fait très mal. Il tape, il te touche, il t'enlève toute ta vie, quoi. La plupart du temps. Donc, c'est compliqué. Donc, ouais, si vous êtes genre pur DPS et tout ça, vous allez passer un mauvais quart d'heure, je pense. Surtout l'eau, évidemment. Là, on peut parler à la dame. Qui me tire de ma flânerie éthérée ? Mozart ! Quel genre de créature est-ce là ? Vous désirez répondre ? Choisissez avec soin. Répondez avec votre cœur. Alors, on va répondre méchamment. Parce que moi j'ai fait tout bien et j'ai gagné un truc, et du coup quand vous répondez tout méchant, en fait vous gagnez autre chose. Même s'ils sont innocents, allez-vous abandonner les autres otages ou affronter la mort ensemble? J'abandonne. Oh, comme c'est amusant. Vous êtes à la tête du royaume, mais un groupe de... Vous pourriez essayer de trouver un terrain d'entente, mais cela... Parlementez-vous avec les rebelles ou tentez-vous de préserver la paix? Je sais pas. Je vois. Deux clans sont en guerre depuis des générations. Afin d'éviter de nouveaux bains de sang, votre adversaire est le fils aîné de votre ennemi. Épargnez-vous l'enfant de votre ennemi? Fascinant! Vous présidez au jugement. Ses ennemis ont kidnappé votre enfant. Et là, prenez-vous la décision de vous parjurer ou d'exposer votre fille au danger? Condamne. Oh. Un chariot rempli de charbon dévale une pente abrupte. L'homme qui est de taille imposante, vous pourriez sauver la vie des cinq mineurs en bas. Poussez-vous l'étranger vers sa chute? Je condamne les mineurs. Vous avez choisi votre voie, douce créature. Votre volonté est forte. L'œil du ravageur brûle en votre sein. Ah, rivière de sang, nouveau trait. Au cœur de chaque être, l'œil de la... C'est une prête... Elle a fait trois phrases qui commençaient par l'œil. Voudriez-vous entendre une histoire? Elle parle de ceux qui voient, comme vous. Eh bien, avant de pour... Cette bague, pourquoi est-elle en votre possession? Je l'ai trouvée dans un vieux temple. Ah, elle veut une bague. Alors, je crois que c'est la bague... genre si vous sprintez, vous avez un régène. Alors beaucoup de gens l'aiment bien, moi je l'aime pas. Enfin, moi je m'en fous en fait, vu mon build, mais ouais. C'est l'anneau de ma sœur. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Vous l'avez tué. C'est Semence qui a essayé de me tuer en premier. Ah, oh, vous m'avez mal comprise. Ce que vous avez détruit n'était pas ma sœur, pas telle que je la connaissais. La racine l'avait consumée. Ah. Elle souffrait dans cette forme. Vous l'en avez libérée. De la part de toutes mes sœurs, je vous remercie. Gardez son anneau et chérissez-le. Avec... Non. Vraiment ? Je crois qu'on récupère autre chose. Merci, ça, j'espère. Créature. Votre nom sera à jamais révéré parmi les noms. Cependant, je ne peux pas vous laisser partir les mains vides. Prenez ceci. Maintenant, que puis-je faire pour vous? Y a-t-il autre chose que vous voudriez savoir? Non. Ouh, tout cela a été une agréable distraction. Alors, on a eu un nouveau trait. Rivière de sang augmente le taux de régénération de santé grise. C'est ça? T'es sérieux? C'est nul. Non, lien de sang peut-être? L'invocation à l'absence. Non, mais c'est ça. Hein. Ouais, bof. Ah, c'est un peu nul, hein, voyons. Bon, on fait voir l'arme. Dernier vestige d'une sœur déchue. Ce pistolet arbalète mystique a la capacité de
Rappelez ces carreaux pour vous soigner. Ah. Putain, ça éclaire. Alors, oraison funèbre, rappelez les projectiles infligent 32 dégâts lorsqu'ils sont retirés à leur cible et touchent d'autres ennemis sur la trajectoire de retour. Le projectile rappelé restaure 2% de votre santé maximum. Les projectiles rappelés peuvent également surcharger chagrin à plus 5. Tout projectile supplémentaire sera remis en réserve. On peut tester. Donc ouais, donc c'était un anneau, ouais, je crois que c'est celui-là d'anneau, ce que j'ai dit là. Quand vous sprintez, vous récupérez régène. On va ouvrir ça. Je pense pas que l'arbalète soit superbe. Enfin, c'est bien pour se récupérer un peu de vie, j'imagine. Comme elle l'éclaire, hein, c'est ouf. Un peu. Ah mais ouais, j'ai pas de... Après... Putain, j'ai pas de... Après, elle tire vite. Et voilà. Elle tire vite et elle est précise, c'est pas mal. Oh la vache. Waouh, ils font mal les machins. C'est... Alors fais voir si je peux tester. Tout ce qu'il y a. Oh la putain de trop. Là, j'avais pas le truc électrique, du coup, c'est la merde. Putain, je voulais juste tester mon arbalète, vous montrer un peu ce que ça fait. Putain. Genre l'effet. Hein. Donc ça rappelle les carreaux, normalement, faut voir. Hop là. Ah oui, ça les remet dans le chargeur, genre le chargeur il augmente. Super, ça faisait longtemps. Quel bordel. On va s'arrêter là. On va juste... Juste aller à la porte et on se casse. Et on s'arrête pas. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Nouvelle arme. La seule bonne chose que je dirais pour avoir une deuxième arme, en fait, c'est si vous voulez une arme utile, bah vous prenez ce que j'ai. Si vous voulez après utiliser un mode précis qui est pas nécessaire en fait pour faire des dégâts, mais qui est plutôt une aide, bah vous le mettez sur la deuxième arme. Enfin, moi, je le vois tout comme ça. Voilà. Très bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah c'est cool, on avance bien. J'ai rien à dire. Ça a augmenté. Monte les dégâts des talents de mode, 21%. Là, ça c'est bientôt fini.
Ouais. Bon, j'ai hâte que ça soit fini quand même. Hein. J'ai hâte que... Parce que médecin et invocateur, c'est honnêtement pas vraiment fun à jouer. En fait, c'est invocateur qui gâche. Parce que vu que j'ai des anneaux pour le régène, il faut que je spam en fait mes habilités, moi, si je veux survivre. Enfin bref. On verra ça la prochaine fois, on continuera. Merci beaucoup. Et je vous dis... Je vous dis à la prochaine. Coucou. Allez, ciao.